bonjour à tous et bonne rentrée pour ceux qui reprennent le travail. Depuis que l'homme s'est dressé l'animal, il le transforme assez souvent dans une vision qui peut paraître assez glauque mais assez réaliste, en outil ou en objet qu'il peut utiliser pour arriver à ses fins. La guerre n'échappe pas à cette règle et depuis le début de nos civilisations, nous avons appris à apprivoiser les animaux pour aller taper sur la tête de nos voisins. On va donc se pencher sur quelques cas en allant de l'animal le plus commun au plus insolite, et si on dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, je vous invite à y repenser après l'épisode. Bien évidemment, il est assez logique de commencer par celui qui nous semble le plus commun des animaux de guerre, le cheval. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, le cheval a été utilisé pour l'agriculture ou le transport logistique, et les premières traces de combat à cheval remontent vers 3000 avant l'ère commune. En vrai, on ne sait pas trop si c'est des chevaux ou des ânes, mais on a retrouvé des modèles de chars de guerre qui ne permettent pas vraiment le doute. Les Sumériens utilisent d'ailleurs très bien les chevaux à cette époque, puisqu'on en a des traces très visuelles. L'étendard d'Ur, qui est un très vieil artefact sumérien qu'on estime daté de 2600 avant notre ère, nous montre très bien des hommes tirés par des chars partant au combat. Des chevaux sont donc formés spécialement pour la guerre, et on a même trouvé des tablettes rédigées en écriture cunéiforme qui datent d'environ 1400 avant notre ère, et qui sont dédiées à l'entraînement de ces chevaux. Il faut dire que l'enjeu est énorme, puisque la rapidité et la force de frappe donnée par l'animal permet un bon avantage sur le champ de bataille. Mais là où l'usage du cheval va vraiment révolutionner le monde de la guerre, et d'ailleurs le monde tout court, c'est quand les progrès technologiques vont permettre d'utiliser un cavalier pour un cheval, en d'autres termes, quand la selle va être inventée durant l'Antiquité. Parce qu'avant ça, c'était un peu plus compliqué de rester sur le dos d'un cheval à nu pour combattre, hein. Au début, on place des archers pour les amener rapidement d'un point A à un point B, et bientôt, on commence à mettre des guerriers avec des lances ou des épées dessus. Et plus on remarque l'efficacité des bêtes, plus on les croise entre elles pour donner de nouvelles races plus efficaces et plus puissantes. On commence même à équiper les chevaux pour la guerre en les habillant de leur propre armure. A partir de là, on va voir des empires se construire ou s'effondrer à cause ou grâce aux chevaux. Et c'est ça qui est formidable en fait, puisque quand on regarde un cheval, a priori ça ne fait pas très peur, mais c'est l'utilisation qui en est faite qui le transforme en une des plus grandes machines de guerre de notre histoire. Les Huns, par exemple, sont de très grands dresseurs de chevaux, et c'est grâce à eux qu'ils envahissent au 5e siècle une très grosse partie de l'Allemagne actuelle, de l'Italie et de la Gaule, puisqu'ils vont jusqu'à Paris. Il en est de même pour les Mongols au 13e siècle, qui partent conquérir la Chine, Genghis Khan en tête, uniquement à l'aide de leurs chevaux. Pendant tout le Moyen-Âge en France, se développe une cavalerie lourde qui fera trembler nos voisins et qui nous permettra à de nombreuses reprises de remporter la victoire. D'ailleurs, pour l'anecdote, les chevaux utilisés étaient rarement des chevaux très imposants, mais plutôt des chevaux légers et maniables qui pouvaient courir de façon endurante et s'adapter au terrain. Nos ancêtres les Gaulois, quand ils affrontaient Jules César, utilisaient d'ailleurs des poneys. Il faut noter que pendant les croisades, les Occidentaux préféraient largement utiliser des étalons, nerveux et puissants au combat, tandis que les Arabes utilisaient des juments, plus douces et discrètes, permettant par exemple de ne pas se faire repérer. L'utilisation des juments avait un autre très gros avantage, c'est que lorsqu'elles étaient en chaleur, eh bien les étalons d'en face étaient un petit peu tout chose dans les rangs ennemis. Bref, vous l'aurez compris, le cheval a une place tout à fait centrale dans notre histoire, et si au XVIe siècle il permet encore aux Espagnols de très belles avancées en Amérique, il continue une longue carrière dans l'armée jusqu'au milieu du XXe siècle. Petite précision là-dessus, pendant la Première Guerre mondiale, c'est près de 8 millions de chevaux qui ont combattu auprès de 70 millions d'hommes. Voilà, juste un ordre de grandeur. Le voici, le voilà, le meilleur ami de l'homme peut également être le parfait petit soldat. Comme les chevaux, les chiens ont depuis très longtemps une place auprès des hommes lors des batailles. Cambyse II, roi de Perse, envoie ainsi en 525 avant notre ère une meute de chiens de combat sur les archers égyptiens. Il deviendra quelques temps plus tard, après avoir soumis le pays, pharaon d'Égypte. Alexandre le Grand lui-même avait son molosse Peritas dressé pour le combat, et l'historien romain Claude Hélien nous raconte que des chiens pouvaient être lâchés sur l'ennemi afin de semer le chaos dans ses rangs et ainsi profiter de l'occasion pour tenter une offensive victorieuse. En plus d'être un très bon pisteur pour traquer un ennemi en fuite, le chien est donc au-delà de ça un élément à part entière des armées qui se composent pour partir au front. Et tout comme les chiens qui portent aujourd'hui des gilets pare-balles pour les interventions, durant l'Antiquité, on peut voir des chiens qui portent l'armure et le collier à pic. Certains sont même dressés pour attaquer les chevaux ou désarçonner les cavaliers. Et si on voit arriver tout ça assez tôt, ça n'est pas pour autant que l'obsolescence des chiens sur les champs de bataille arrive rapidement aussi. Et durant le Moyen-Âge et la Renaissance, ils seront toujours en bonne place dans les armées. Ils forment même parfois des régiments de soutien, comme ce fut le cas des 400 bêtes envoyées par Henri VIII à Charles Quint pour combattre François Ier. Pendant la conquête espagnole de l'Amérique, nous l'avons dit, l'utilisation des chevaux a grandement aidé à vaincre la population locale sur des terrains dégagés. Cependant, dans les forêts, c'était une autre paire de manches, et les accès étaient difficiles. Les conquistadors ont dressé
énormément de chiens dont le but était la traque et la mise à mort des locaux. Et malheureusement, on peut le constater, hein, ça a bien fonctionné. Bien des années plus tard, et il n'y a pas si longtemps, les chiens de guerre ont été utilisés par l'armée russe d'une bien triste manière, puisqu'ils étaient envoyés en kamikaze, si l'on peut dire, contre des tanks allemands. Formés à se glisser sous la cible en pensant y trouver de la nourriture, les soldats lâchaient les chiens et n'avaient plus qu'à attendre que les explosifs se déclenchent par un système de pression sur le dos de l'animal, qui bien évidemment ne survivait jamais à la manœuvre. Cette technique a été employée plusieurs fois et elle a eu son succès éphémère, puisqu'au cours d'une bataille, ce n'est pas moins de 11 chars allemands qui furent détruits de cette manière. Fort heureusement, la technique a été abandonnée par la suite, mais vous verrez dans la suite de l'épisode que les chiens n'ont pas été les seules victimes de cette grande guerre. Les fameux éléphants de guerre, ça a fait couler beaucoup d'encre, et pourtant, dans l'histoire en général, ça n'a pas été si utilisé que ça. Enfin, ça se comprend, hein, c'est déjà très impressionnant de base, alors si en plus on s'en sert pour la guerre, de 2 à 3,5 mètres de haut, une force incroyable, une peau difficile à percer, l'éléphant a tout pour être une arme idéale sur un champ de bataille. Les premiers à utiliser des régiments d'éléphants sont les Indiens, d'Inde, hein, pas d'Amérique. D'ailleurs, on ne pense pas qu'ils aient tout de suite servi pour la guerre, mais plutôt pour le travail agricole. Les premières traces d'éléphants domestiqués remontent au moins au 9e siècle avant notre ère. Les Perses ont également quelques éléphants dans leur rang à partir du 5e siècle avant notre ère, mais rien de comparable aux Indiens. Par exemple, quand Alexandre le Grand affronte Darius III lors de la bataille de Gaugamélès en 331 avant notre ère, les Perses n'ont qu'une quinzaine de pachydermes, et si l'impact psychologique sur les forces d'Alexandre est considérable, ça ne sauve absolument pas les Perses qui se font écraser. Par la suite, Alexandre arrive en Inde, et là, il se frotte au Raja Poros, qui l'affronte durant la bataille de Hydaspe. Et là, ce n'est pas 15 éléphants qui font face à l'empereur, c'est 200. 200 éléphants montés par des cornacs qui les dirigent et provoquent la panique parmi les chevaux macédoniens. Alexandre n'en vient qu'à bout qu'en envoyant ses troupes aller tuer les cornacs sur les éléphants en priorité. A partir de là, les troupes d'éléphants se développent en Occident parce qu'on a bien compris l'intérêt d'en posséder dans son armée. Ok, ça coûte cher à entretenir, mais sur le champ de bataille, ça fait peur aux hommes, aux chevaux, et quand on lance une charge contre l'infanterie, c'est extrêmement efficace. Pour rappel, un éléphant qui charge, hein, c'est 30 km/h. La plus grosse bataille occidentale d'éléphants a lieu en 301 avant notre ère, pendant la troisième guerre des Diadoques, qui oppose les successeurs d'Alexandre le Grand quand celui-ci meurt et qu'il faut se partager le territoire. Durant cette année se déroule la bataille d'Ipsos entre Séleucos Ier et Antigone le Borgne. Et c'est pas loin de 400 éléphants dans le premier camp et 75 dans le deuxième qui s'affrontent. On imagine sans peine la tronche du champ de bataille, hein. Moi perso j'aurais pas voulu y être. Hein. C'est à cette époque qu'apparaît une nouvelle évolution technologique, la tour à éléphants. On installe une petite tour sur le dos de l'éléphant et on embarque des archers à l'intérieur qui surplombent la mêlée, ce qui donne de nouvelles perspectives lors des batailles. Par la suite, les succès des éléphants sont multiples. On peut citer par exemple la bataille des éléphants où Antiochos Ier remporte la victoire avec une quinzaine d'éléphants seulement alors qu'il y a deux fois plus d'hommes en face. On peut également parler de Pyrrhus Ier, le fameux roi d'Épire dont j'ai parlé durant l'épisode sur les morts insolites des rois 2, et qui envahit une bonne partie de l'Italie grâce à ses éléphants. Après, ce qui est drôle, comme assez souvent en histoire, en fait, c'est la différence entre la réalité des faits et ce qu'on pense être la réalité et qui nous est raconté. Quand on parle d'éléphants de guerre, personnellement, le premier nom qui m'est venu à l'esprit était celui d'Hannibal affrontant les forces romaines, parce que c'est sans doute celui dont j'ai le plus entendu parler. Et pourtant, si Hannibal a bien traversé les Alpes avec ses éléphants, la plupart d'entre eux, peu habitués au combat, meurent de froid. Bah l'eau, hein. Bref, vous l'aurez compris, dans l'Antiquité, l'éléphant est très utilisé, mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en Occident, l'éléphant est peu à peu abandonné, et on en retrouve dans les batailles qu'à de rares occasions, comme en 804 où Charlemagne lâche son unique éléphant sur les Danois. C'est surtout en Asie et en Inde qu'ils sont massivement utilisés pendant le Moyen-Âge, où certains sultans comptent des armées de plusieurs milliers de pachydermes. Progressivement, même là-bas, les éléphants finiront par être abandonnés dans l'usage militaire, et on en verra tout de même un peu partout jusqu'au 20e siècle. Quand même une belle carrière, si on peut dire. Alors je vous vois venir avec vos gros sabots là en train de vous moquer de moi parce que je vais vous parler des cochons de guerre. Et pourtant, je vous préviens tout de suite, il s'agit absolument pas de chevaucher les cochons, hein, de les cochonner en somme, puisqu'on friserait quand même assez rapidement le ridicule sur les champs de bataille. Tout d'abord, il faut être honnête, les cochons ont rarement été utilisés pendant la guerre, en tout cas pas vivants. En effet, la graisse de cochon a l'avantage de très bien brûler, et elle a donc été utilisée à de nombreuses reprises lors de manœuvres militaires. C'est le cas durant le siège du château de Rochester, que je ne vais pas détailler ici, puisque j'en ai parlé durant l'épisode à l'assaut des châteaux partie 1. Mais en gros, grâce aux cochons et à leur graisse, ils ont quand même réussi à faire s'effondrer une tour du château.
pas mal, hein. Alors oui, la graisse de cochon, ça brûle très bien, mais il y a quelque chose qui brûle tout aussi bien, c'est un cochon vivant lui-même. Bon, les deux exemples qui vont suivre sont assez cruels, hein, il faut bien le dire, mais je ne fais absolument pas l'apologie de la souffrance de ces animaux, hein, qu'on soit bien clair, je suis juste là pour montrer comment ces animaux ont été utilisés en temps de guerre. Et souvent, bah, c'était pas très joli. La première histoire que je vais vous exposer nous est rapportée par Pline l'Ancien, qui n'était pas vraiment n'importe qui, hein, puisqu'il fut l'un des plus grands historiens de l'Antiquité, et qui nous a livré une encyclopédie qui compte, tenez-vous bien, 37 livres sur l'histoire et les autres sciences à son époque. C'est énorme, et si ça vous intéresse, l'encyclopédie s'appelle Histoire naturelle, et ça a été pendant très longtemps une encyclopédie de référence. Voilà, c'était juste pour signaler que le mec n'est pas un guignol, et que ce qui va suivre n'est pas une blague. En effet, le cochon peut être à l'époque un très bon moyen pour lutter contre un animal qu'on a vu juste avant, l'éléphant. Les porcs sont recouverts de goudron, d'huile d'olive et autres, on y met le feu et on les envoie vers l'ennemi. Forcément, les pauvres cochons hurlent à la mort, et c'est ça qui terrifie les éléphants. Les cris de cochon, ça et le fait de voir pas mal de boules de feu courir vers eux à vive allure, hein, j'imagine. Enfin bref, les animaux paniquent, se retournent contre leur maître ou fuient tout simplement, et c'est ce qui est arrivé à Pyrrhus Ier, roi des pires, dont nous avons parlé un peu avant. Alors l'histoire peut paraître un peu anecdotique si on s'en tient à ce seul fait, mais a priori ça n'était pas un cas isolé, puisque Claude Elien, l'historien dont on a parlé également tout à l'heure, nous livre un témoignage assez saisissant sur l'utilisation du cochon de guerre lors du siège de Mégare en Grèce. Ce coup-ci, c'est les habitants qui utilisent le cochon et qui le lancent contre les assaillants et leurs éléphants. Et là, c'est tellement efficace que le siège est levé et que l'armée adverse est mise en déroute. Voilà, je pense qu'une petite pensée pour tous les cochons qui ont donné de leur corps pour repousser l'ennemi est de mise. Merci les cochons. Dernière partie qui est un petit peu plus courte, même beaucoup plus courte, mais qui vaut quand même le coup. Bon, vous l'aurez remarqué, plus on avance dans l'émission, et plus les animaux qui sont utilisés pour la guerre le sont contre leur gré et n'ont pas beaucoup de chances de survie. Et il y en a un qui concurrence sérieusement le cochon, c'est le mouton. Le mouton, on l'utilise principalement pendant les deux guerres mondiales, et à chaque fois pour la même fonction, le déminage. L'illustration la plus parfaite du mouton démineur se fait juste après le débarquement du 6 juin 1944. Une fois la bataille terminée, les troupes sont confrontées à un énorme problème, puisque les mines grouillent sous le sable, et dans ces conditions, on ne peut pas faire suivre le reste des forces sous peine de causer davantage de pertes humaines. On réquisitionne alors des dizaines de troupeaux de moutons que l'on fait marcher tranquillement sur les plages pour sauter sur les mines et sécuriser le passage. Les moutons de guerre servent donc surtout pour protéger des vies et pas pour tuer l'ennemi. Mais ça, malheureusement, ils n'ont pas la chance de le savoir. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais on aurait pu parler d'une tonne d'autres animaux qui ont été utilisés pendant les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale où les militaires ont été particulièrement inventifs, où ils ont utilisé des dauphins, des phoques, des mouettes, des pigeons voyageurs, des ânes surmontés de mitraillettes, et même un ours qui transportait des munitions. Je voudrais vous inviter à aller faire un petit tour du côté de mon tout nouveau site web notabenemovies.com, où je mets à disposition tous les épisodes de la chaîne et de la chaîne secondaire qui viendra un peu plus tard, et où j'espère pouvoir tenir quelques autres actualités, alors n'hésitez pas à le rajouter dans vos favoris. Dernière nouvelle, depuis le lancement de la chaîne, pour la première fois sur Tipeee, on a atteint le montant d'un SMIC. Et ça, c'est absolument génial, parce que ça me rend beaucoup plus serein dans la manière d'aborder mon travail au jour le jour. Donc encore 10 000 fois, merci. Je vous laisse avec cette citation de Gandhi, on peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. À la prochaine.